Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle exploration que j'ai nommée le cimetière des véhicules, et certaines très anciennes. Regardez cette voiture, si quelqu'un connaît la marque et le modèle, qu'il n'hésite pas à le mettre en commentaire. Regardez ces deux estafettes Citroën. Regardez-moi ça. Elle est complètement explosée, celle-là. Regardez ça. Voilà. Je crois que là, il y a la rouille qui est vraiment un peu à l'état. Là, il y a une petite, je sais pas, maison. Si on peut dire. Il n'y a pas grand chose à l'intérieur. Regardez-moi ça, cette vieille mobilette MBK. Ça doit rappeler des souvenirs à certains. Regardez-moi ça, encore deux dessus. Number 8. C'est même écrit mobilette. Regardez-moi ça. Formidable. Pas grand chose de cet endroit. On a l'impression que c'est un peu squatté. Regardez ça. Deux chaises, une table en fortune. Un vieux établi. Formidable. Il reste pas mal de choses. Comme vous pouvez le voir. Là, je vais vous montrer deux vieux vélos. Regardez ça. Là, il y a pas mal de trucs de bricolage. Ça, c'est pour les bougies des bonnettes et les clés plates. Là, pareil. J'ai l'impression que les personnes en faisaient la collection. Regardez-moi ça. Un bateau. Une petite barque. Regardez la barque. Là, il y a une vieille caravane. Voilà, à mon avis, ça vaut pas le coup de rentrer. Regardez-moi ça. Oh là là. Ça, c'est du vieux. Vous voyez le champ, je l'aborde. Voilà.
l'état de la caravane. Elle est attaquée par la nature. Voilà. Là, je ne sais pas ce que c'est. Une vieille camionnette. On dirait les vieilles camionnettes américaines. Regardez moi ça. Ah, et en plus, il y a plein de caravanes. Ah oui. Les estafettes juste à côté. Complètement ravagé. Par la bague. Hein. Ouh, il y a encore un vieux vélo. Attendez, on va regarder ce que c'est. Ça doit être du Peugeot, ça. Oui, un vieux vélo Peugeot. Regardez. Peugeot. Ah ben dis donc, c'est du vieux, ça. Il y a un peu de bordel un peu partout. Donc vous pouvez voir. Encore une estafette Citroën. Là, elle est vraiment en mauvais état, celle-là. Et juste à côté, il y a une vieille deux chevaux. Regardez ça, la vieille deux chevaux. Regardez-moi ça. Ça rappelle des souvenirs à tous, je pense. Les deux chevaux comme ça. Et là, la nature reprend ses droits dessus. Et maintenant, on va aller voir un vieux camping-car. Là, on l'a déjà vu. Une vieille camionnette américaine, ça, apparemment. Et là-bas, le camping-car. Il est dans un sale état. Plus de pneus, plus rien. Un Citroën, apparemment, aussi. On voit plus, on voit pas le logo. Regardons-moi ça. Evada. En l'état. Regardez-moi ça. Ah oui, là, c'est vraiment bien pourri. C'est pourri de chez pourri. Voilà. Donc là, c'est un peu du bordel. Regardez le lavabo. Normalement, il devait avoir un frigo, là, je pense. Avec les plaques à côté. On a pu. Voilà, la petite visite de la caravane. Voilà le modèle. Et voilà. Et j'ai un doute, est-ce que c'est vraiment un Citroën? L'avant, c'est vraiment l'air d'être un Citroën. Voilà. Cette vieille voiture des années 30, je pense. Vraiment du vieux. Une vieille voiture, ce qui en reste. Il n'y a plus de moteur. Une autre voiture un peu plus récente apparemment, mais complètement encastrée dans l'arbre.